Bonjour à tous, je m'appelle Indy Rampio et je suis Miss France 2023. D'être ici aujourd'hui pour l'événement du Chinese Business Club, c'est vrai que c'était un très bon repas, un beau dîner, on s'est bien amusé et puis j'ai eu l'occasion de découvrir de nombreuses personnalités, des personnes influentes qui ont marqué l'histoire justement et ainsi que leur parcours grâce à leur engagement. Donc je suis très très contente et puis on a mis à l'honneur aujourd'hui la femme. Donc rien de mieux. Je félicite Virginie Lenoyer pour son titre de meilleure femme de l'année. Elle a marqué justement, comme on dit, son parcours et aussi c'est une femme qui est intéressante. Pourquoi ? Parce qu'elle a su concilier sa vie professionnelle avec sa vie privée. Elle a 3 enfants, elle est active, elle gagne aussi en assurance, je pense justement grâce à tout son parcours. Donc on ne peut que la féliciter. En cette journée des droits de la femme, je félicite toutes les femmes qui justement mettent en avant leur parcours, qui justement ne se prennent pas la tête justement par rapport aux supériorités, on va dire entre guillemets, masculines. Ce sont des femmes qui s'assument et on félicite ça. Donc je félicite aussi toutes les femmes et assumez-vous pleinement, gardez espoir et voilà. Alors c'était un bel événement, on a pu voir comme je l'ai dit de nombreuses personnalités. On s'est bien amusé, comme je l'ai dit, on a pu découvrir aussi de nombreuses spécialités parce que ce sont des personnes qui travaillent dans des domaines différents. Et donc c'est intéressant un peu de découvrir tout ça, c'est un peu comme ce que je vais faire cette année, découvrir les régions de France. Aujourd'hui j'ai découvert plusieurs spécialités, plusieurs personnalités, donc je suis très contente. On a vu des femmes qui s'assument, des femmes influentes, des femmes qui s'engagent dans la vie active et ça c'est intéressant.